Et bonjour tout le monde, c'est Cyberpogola, j'espère que vous allez toujours aussi bien. On se retrouve sur Mind Test for Fun. Ça fait un petit moment, j'espère qu'on va pouvoir reprendre un petit peu régulièrement les épisodes. En tout cas, je vais essayer de m'y atteler. Aujourd'hui, nous allons. Tu veux charger, s'il te plaît? On va essayer de faire un peu monter cette tour. On n'y arrivera pas au deuxième étage, mais on va déjà faire un bout. Alors, moi, je vais aller à la maison. Boum, merci beaucoup. Oui, c'est bien connu, la tour, c'est la maison. Sachant que j'ai déjà trois cadres là que j'ai posés il y a quelques temps pour le premier record de MFF27 que vous n'avez jamais vu. Et pour cause, il y avait une quantité de fails astronomiques. Vous pouvez même pas imaginer. Enfin, si, vous pouvez, mais vous imaginez le pire et vous en rajoutez une dizaine. Voilà, ça vous donnera une idée. Du coup, il faut juste que je contrôle comment ça marche mon affaire là. Pas que je me plante. Donc le toit, ça va monter de 2 et ok. Voilà, on est bon. Alors, on va partir sur là-bas. Ah, alors, première chose, on va quand même s'équiper, en fait, ça vaut la peine. Donc, je vais embarquer en matériel. Tiens, c'est bizarre. Tout est rangé. C'est tellement rare que, pour une fois. Ah oui, attendez, quand même, avant. J'ai avancé un peu toutes ces structures-là. En fait, je les ai même, pour ainsi dire, terminées. Je verrai si je laisse comme ça, là, en haut. Peut-être que je vais remettre une petite couche dessus, mais globalement, c'est pas trop mal. Je suis pas sûr que les accès soient exactement ici, mais je pense que, logiquement, ça paraît bien. Et je me suis permis de mettre des toits vitrés. Je me suis permis de mettre des toits vitrés parce que comme ça on aura un aperçu de toute la hauteur de la tour en fait au-dessus, ce qui sera beaucoup plus sympa. Voilà, sinon j'ai Obani qui essaie de me pourrir le chat, que j'ai donc caché. Bah, Obani, bien essayé. Voilà, il dit dites bonjour à la caméra. Le vent flotte. Ben ouais. Ok. Alors. Je dirais les drapeaux flottent en fait, plutôt que le vent flotte. Ou alors le bateau flotte. Non? Enfin bon. Ok, donc on va continuer directement. Je vais pas m'atteler à toutes les structures porteuses, sauf juste une pour pouvoir monter. Ça prend trop de temps en fait. Ça, je les ferai certainement hors caméra. Alors, là, il faut que je monte de 2. 1, 2, bravo! Et voilà, et maintenant je vais faire un carré de 16. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Passionnant, n'est-ce pas? Et là, 2, 3, 4, 5. Alors, ça a l'air juste. En tout cas, jusque-là, on est pas mal. Donc là, normalement, je dois en rajouter 14 et on aura 16. 3, 5. Mais oui, c'est juste. Fantastique. C'est tellement rare que tout soit juste. Ok, et maintenant, alors là, ça va être une très grosse montée hein, avant l'étage suivant. Quand on peut le voir en face. Alors là, pour le coup, un dedans. Ensuite, il faut que je monte 4. Voilà. Ensuite, il y en a un qui vient comme ça. Toi, on t'enlève. Ou alors, comment je redescends de là? Alors, ça, ce sera la bonne surprise. J'en sais rien. 1, 2, 3. Ouais, je sais compter jusqu'à 3. Bravo! Oh le cookie, c'est gentil, merci, ça faisait longtemps. Tac. Voilà. Donc, j'ai monté de 4. Oh, ça j'ai déjà oublié. Oui, c'est un peu. Alors, celui-là, il est fait. Celui-là, il est fait. Celui-là, il va être fait. Donc là, je vais remonter de 3. Allez. Voilà, on a monté de 3. Et on va remettre encore un à l'intérieur.
Oh là là, je pile sur la touche sneak, je ne veux pas tomber. Si je tombe, évidemment, je suis mort. Et pom pom pom. Voilà, alors là, je monte de 1. Ensuite, là, on est à la hauteur du cadre. Voilà, et c'est un peu bizarre, là, ça continue. Ça continue de juste 1, en fait. Voilà. Et là. Et ici, on aura un carré de seulement 14. On est à 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous l'avez vu, glitch? 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. On va manger un petit morceau depuis là en haut. La vue est sympa. Voilà. Allez. Je suis à 14? Oui, je suis à 14. On va dire que je suis à 14. 2, 3, 4, 5. Alors si vous regardez bien, maintenant là, si je tombe là tout de suite maintenant, j'arrive droit en bas. Mais tout en bas. Pas juste un petit peu. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oui! Alors, ça c'est une très bonne chose. Maintenant. On pourrait presque contrôler qu'on a la bonne hauteur, mais je ferai ça après. 2, 3, 6, 7, 10, 13. Et le 14e, je l'ai dans le dos. Parfait. Ouais, c'est juste ça. C'est la même hauteur. J'ai pas trop de doute là-dessus. Ok, alors maintenant, on va continuer. On va continuer. Ça revient dedans. Ah, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de build comme ça. Ben, ça n'empêche que je dois faire juste, sinon ça va pas le faire. Alors, cette fois, on monte de 4. Donc, on a monté de 1, 2, 3 et 4. Ensuite, alors là, on a un truc magique. Voilà, puisqu'en fait ces deux-là n'existent pas. D'ailleurs, on le voit très bien en face, hein. Alors, vu d'en bas, ça pose aucun problème. Mais voilà, c'est un bloc qui est posé comme ça en travers. Et on remonte de 4. J'aurais pu rajouter un bloc pour que ça se tienne, mais c'est pas vraiment nécessaire. Et là, pouf pouf, merci beaucoup. Et là, on monte de 3. 1, 2, 3. Et là, on a encore un cadre de 14. Voilà, je commence à avoir mal au petit doigt à force de tenir ma touche sneak. Ok, 14. Est-ce que c'est juste? Mais oui, c'est pas mal du tout cette affaire-là. Allez, 2, 3, 4. Mais c'est parfait, on est à 14. Mais dites donc, les enfants, c'est Noël. Et en plus, si on regarde là, c'est parfaitement aligné. Tout va bien. Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais tenter de redescendre sans me tuer. Ce serait quand même une bonne idée. Comment on fait ça? Je pense que je vais passer par l'extérieur là. Logiquement, je peux tomber. Enfin, tomber, descendre sans me faire trop de dégâts. Ah oui, j'ai plus de son du tout. Si, j'ai du son. Pourquoi j'ai pas le droit au son? Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave, ma bonne dame. Voilà, on s'est fait un petit peu bobo. Mais on est toujours vivant, tout va bien. Alors, je pense que bah, vous avez vu comment on fait, quoi. Je vais pas vous imposer les trois autres comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser ici. Et je vous reprends dans un tout petit moment quand j'aurai construit les autres. A tout de suite, les amis. Et on se retrouve les amis sur le soleil couchant. Et si on regarde par là, tadam!
Je viens donc de poser tous ces petits blocs. Ça fait 4 jolis carrés. J'ai pas mis les torches au coin. Mais bon, ça c'est juste un détail. Et du coup, bah maintenant il faudra attendre que la nuit passe pour la suite. Et comme on peut le voir, on arrive à voir jusque tout en bas. Il faut juste que... Oh punaise! Oh punaise! Qu'est-ce qui se passe? Hein? Et je suis vivant après ça? Faut vite que je me déconnecte. Boum! Alors j'ai pas compris pourquoi je suis pas mort, mais je me suis dit tant qu'à faire, autant se dépêcher de se déconnecter. On peut dire que c'est un newsbug si vous voulez. En même temps, on voit bien que je suis arrivé par terre et j'étais encore vivant. Ah bon, ben voilà, je suis encore vivant. Tout va bien. Chercher l'erreur. Je sais pas pourquoi. Oui, alors, voilà, ça c'est pour le docteur qui est sur le serveur en train de jouer en ce moment. Et puis, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'appuie sur T en croyant appuyer sur R pour la distance de rendu. J'avais changé de bouton, mais je sais plus ce que c'est. Alors, parce que j'appuie tout le temps sur R par erreur. Et en fait, du coup, j'ai changé la lettre. Alors, si jamais, pour ceux qui ne sauraient pas, pour changer vos lettres par défaut, enfin vos touches, c'est Change Key. Et en l'occurrence, Ren. Comment il s'appelle? Noclip. Est-ce que c'est Noclip? Bah voilà, du coup, je sais plus. Bon, alors, ça, c'est ce qu'on a. Sneak Drop. Ça doit être ça, je pense. Aïe, je me fais taper dessus. Mais non. Comment mourir bêtement? Je le vois même pas! Bon, du coup, j'ai le droit à une petite oraison funèbre dans les oreilles, c'est très sympa. Je ne vois pas ce monstre. J'ai rien compris. Alors là, dans le genre pas mal, c'est pas mal. J'aurais dû me méfier, évidemment, hein, c'est sûr qu'il y a beaucoup de monstres très méchants qui traînent. Et voilà, je vais remourir. Bah ouais, hein. Tant qu'à faire. Oh mon dieu, oh mon dieu. C'est pas possible. Et j'ai nouveau droit à ma petite oraison funèbre, c'est trop drôle. Pire, je suis sur ma tour. Et je me fais attaquer sournoisement par des monstres. Mais oui. Et voilà, et là je comprends pas, je tombe, je me fais aucun dégât. C'est assez bizarre. Il y a un truc un petit peu random dans l'histoire. Parce que pourtant, j'ai pas trafiqué mon jeu ni rien. Hein, donc, c'est la version Git standard. Ah, Toto 112. Ça me dit quelque chose. Bon, alors. Je vais juste enlever ça. Et puis, je vais revoir où je suis mort. Parce que. 87, 154. Et puis, mais je sais plus mes touches. Ah oui, ça c'est moi. Mon Dieu. Voilà. On a dit 8. Ça doit être par là, il me semble. On a dit 87. Je dois être à 10 blocs. Et puis un petit peu là en haut. Par contre, le monstre, s'il est encore là, je vous jure que je lui fais sa peau. Ah, il est toujours là. Mais... What? Il me fait des dégâts alors que... Et il me saute dessus le petit sale... Le sale sale. Mais comment je récupère mon stuff? Explique-moi comment je récupère mon stuff là. T'es bien gentil le monstre, hein, mais tu serais encore mieux mort, quoi. Un bon monstre est un monstre mort. Point. Alors, on va tenter une approche par-dessus. Avec ma chance, si je tombe, j'ai encore une chance de survivre, hein, comme on l'a vu tout à l'heure. On va tenter. Ah ouais, j'ai survécu. Voilà, j'ai l'épée. S'il revient. Eh machin, t'es où? Il est là en bas. D'accord, on va le laisser là en bas. On va faire une retraite stratégique, hein. Ça s'appelle Slash Home. Merci. Ouf, bon, que d'émotions, que d'émotions. C'est du. Ça c'était digne de moi. Alors je vais vous montrer un truc très rigolo. Là, vous voyez, j'ai des poulets qui spawnent de temps en temps sur ces petits blocs de terre que j'utilise pour planter mes arbres. Et en fait, des fois, ils se taillent.
Et alors, c'est arrivé qu'il y en ait qui se promènent et qui aillent à la limite de chargement du terrain. Et ils se promènent ensuite sur une zone d'air, de vide. Parce que je me suis beaucoup, beaucoup, beaucoup baladé là-bas en haut. Et alors, la limite jusqu'où ça charge le terrain, c'est ça. Et alors, du coup, les poulets se promènent dessus et me pondent des œufs en l'air. Voilà. Et comme ça, je peux faire ma récolte d'œufs s'ils veulent bien tomber au bon endroit. Voilà, celui-là, je peux le récupérer. Et comme ça, je peux me nourrir avec des œufs. Si c'est pas la classe, ça, moi, je sais pas ce qu'il vous faut. Bon, alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va aller voir un petit peu cette tour, à quoi elle ressemble de petit peu plus loin. J'aimerais quand même remettre un petit peu cette armure avant. Et je pourrais un petit peu arrêter de dire un petit peu chaque fois que je dis un mot. Tac, tac, les pantalons. Ouais, bon, les bottes. Ah, on va laisser celle-là ici, ça sert à rien. Ah, j'ai perdu mon arc. Bon. Tant pis, il était quasiment mort. C'est pas trois bouts de métal et une ficelle, trois ficelles qui vont me manquer beaucoup. Alors, on va faire un petit peu gaffe aux monstres hein, quand même, parce que ils sont sûrs dangereux. En plus, j'ai vu qu'il y a d'autres monstres qui doivent arriver s'ils sont pas arrivés. Voilà, et là, on peut voir que ça monte déjà un bout plus haut. Alors, juste docteur. Juste doc. Tschüss, c'est allemand ou suisse allemand, si jamais. Mais en Suisse romande, on le dit aussi des fois. Ok, alors je vais faire des torches. Je crois que je vais aller torcher tout ça. Ça ferait quand même. Ah. On va juste voir depuis d'en haut, peut-être. Ah, ce casino. Il faudra vraiment que j'avance une fois. Je sais pas ce que je peux faire de plus dessus, en fait. Mais à la limite, on voit pas grand-chose de plus. Juste ce petit bout là. Non, alors c'est pas le noclip. Ici, je dois pouvoir chercher ma touche. Tac, tac, tac. Bon, bah, je sais pas. Ah, bah, c'est peut-être. Est-ce que ce serait fuite? C'est juste tout gueule? Non. Ah, T. Mais bien sûr. Sauf que j'ai mis T pour les deux, alors ça marche pas. Il faut que. Donc, ça, on va mettre autre chose que T, puisque T, c'est déjà pour le chat. Qu'est-ce qu'on utilise jamais comme lettre en alphabet? Ouais, Q. C'est juste à côté. Pour moi, c'est le A du clavier français, mais du coup, c'est juste là. Mais non, ça marche pas. Et un jour, j'y arriverai. Une lettre qu'on n'utilise jamais. Le Y. C'est bon, j'ai pas de Y. Non, pas de Y. Super. Voilà. Y. Oui. Comme ça, on peut voir toute la tour de loin. Alors, on joue un peu moins vite, hein, mais. Mais on est content, comme ça, on voit bien. Que effectivement, ça a pris un petit peu de taille. On va voir un peu plus loin. Voilà. Maintenant que j'ai ma touche Y. Ah. Non, je ne monterai pas par là. Ce sera avec l'échelle. Voilà. Et on va aller voir depuis la fameuse usine publique. Qui remarche, hein. Il y a eu des petits trucs. Voilà. On va monter. Hop. Oui, du coup, je masque mon chat pour l'instant. Je le. Hop là. Parce qu'on n'a plus vraiment besoin maintenant que j'arrête de mourir. Et quand j'enregistre, je préfère le désactiver en principe. Ouais, d'accord. Bon, bah, il est déjà reparti le mec. Hein. Il me dit salut et il repart. Voilà, là, on va pouvoir voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que mine de rien, on a fait une sacrée montée. Ah, c'est drôle, si je me rapproche, on voit plus rien. Par contre, si je fais comme ça, tadam! Voilà, donc ça fait quand même un bon petit bout en plus. Et donc, on peut estimer que le sommet sera par là-bas, quoi. À peu près, hein. Vu comme ça. Ok, alors je pense que je vais vous laisser là-dessus. Ça sera tout pour cet épisode. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un petit pouce. Oui, bleu. Bah, rouge si vous aimez pas, hein, mais bleu autrement. Voilà, puis moi je me mets en face de vous pour vous dire à la prochaine. Ah, oh, en plus le soleil se lève. Oh que c'est beau. Oh que c'est beau. Il faudrait presque enlever l'arbre là. Hein. Et voilà. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.